Dans la perspective de favoriser une émergence culturelle des artistes burkinabés, il s'est tenu une rencontre qui a favorisé la signature officielle du partenariat entre Universal Music Africa et le groupe Empire dans la salle de cinéma de Canal Olympia. Cette rencontre avait pour objectif spécifique la signature de ce partenariat, mais au-delà de tout, le but était de disposer à travers cette signature d'aubaines dont les artistes burkinabés pourront profiter et vivre de leur art. Pour résumer, l'objectif du groupe Empire en tout cas est de venir s'associer avec des frères burkinabés ici et ce qui se passe ailleurs venir le réaliser ici. On a déjà des partenaires, si d'autres personnes sont intéressées, ils peuvent toujours entrer en contact avec nous. Pour qu'on puisse travailler ensemble. L'objectif est de travailler avec tout le monde, ceux qui ont des hôtels, les promoteurs d'événements, les artistes, tous ceux qui interagissent dans le monde de l'événementiel et le monde de la culture. N'hésitez pas à venir nous voir, nos bureaux seront ouverts bientôt. N'hésitez pas à venir nous voir pour que nous travaillions ensemble. C'est l'Afrique qui gagne et c'est ça qui est important pour nous. Merci à vous. Présent donc en Afrique, Universal Music Africa a pour principale activité le rayonnement de la maison mère sur le continent africain. Cette maison possède de nos jours le catalogue des artistes flamboyants de la nouvelle scène musicale africaine. Leur mission, c'est d'identifier et de développer des artistes et artistes-compositeurs, produire, distribuer et promouvoir les musiques qui seront les plus exaltées et commercialement réussies. Il joue donc sur trois tableaux distincts mais complémentaires, à savoir la musique, les fans et les marques. Universal Music Africa revendique, comme dans le monde entier, sa position de leader de l'industrie du disque et de l'édition musicale. Pourquoi ? Slide suivante, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous cumulons 85 bureaux dans le monde, à travers 85 pays dans le monde, donc 6 en Afrique, avec mon collègue Sifo d'Afrique du Sud, Eze pour le Nigeria, country manager Patou du Cameroun, la structure que je dirige, le siège d'Universal Music Africa qui est à Abidjan, la collaboration d'Ibrahima Tchobian au Sénégal et la JV qu'on développe avec Empire. On a 6 positions aujourd'hui sur le continent qui sont des satellites avec lesquels on peut développer du business avec Universal Music Africa. 40% de part de marché pour un artiste sur 2 dans le monde produit ou édité. Donc à chaque fois que vous achetez un CD, que vous écoutez un CD streamé sur Internet, il y a 50% de chances que vous tombiez sur un artiste Universal. Et là, on est très fiers de conclure cette année, par exemple, sur le marché français, avec 50% de part de marché du digital. Donc une machine de guerre qui est huilée pour obtenir des résultats, évidemment des projets innovants et exclusifs, puisque nous ne sommes pas passifs sur nos marchés, nous sommes des créatifs et des créateurs, et nous essayons d'apporter des solutions en respectant l'adaptivité, et c'est volontaire, l'adaptivité, la compétence à pouvoir changer pour s'adapter à son environnement. Par ailleurs, Universal Music Africa a annoncé le 5 novembre dernier avoir conclu un accord portant sur la licence de catalogue avec Boomplay. C'est un service de streaming musical qui couvre plusieurs pays en Afrique. Le directeur général de Universal Music Africa s'exprime ici sur les raisons ayant prévalu à la signature de ce contrat. Parce que je pense que le Burkina vaut la peine et que essayer de rentrer avec les Burkinabés dans l'ère de l'exploitation industrielle de la musique. Donc on a décidé de travailler avec Ulrich Adoubi et les Burkinabés à la constitution de ce marché. Notons que selon les termes de cet accord, Boomplay distribuera la musique des artistes d'Universal Music Africa via sa plateforme de streaming et de téléchargement au Nigeria, au Ghana, au Kenya et dans d'autres pays, et très bientôt au Burkina Faso.